Sais-tu comment les orques sont venus au monde? C'était des elfes autrefois. Des elfes enlevés par le pouvoir des ténèbres, torturés et mutilés. Une forme de vie horriblement anéantie. Aujourd'hui, ils sont fin parfaits. Des semi-hommes a sur lui un objet de grande valeur. Amenez-les-moi vivants. Et ne les abîmez pas. Tuez les autres. Saruman. Ah, coucou tout le monde, c'est Phoenix Baldos. Et on se retrouve pour un énième épisode sur le Seigneur des Anneaux. Lego, putain, je vais vraiment pas y arriver. Alors, nous sommes en fait sortis de la Moria, voilà, comme vous pouvez le voir, juste ici. Voilà, là, c'est la sortie de la Moria. Normalement, on devrait voir un lac. Voilà, le lac qui est là, c'est le... Je ne sais plus comment ça s'appelle, il est noté dans le bouquin. Et du coup, bah oui, bien évidemment, après avoir perdu Gandalf et passé les mines, nous dirigeons vers la Lothlorienne, et c'est parti. On y va. Oh, bah, attendez, j'ai ramassé ça avant. On ramasse hein, toujours un peu, hein, voilà. Allez, allons rencontrer Dame Galerienne et Monseigneur Celeborn. Je sais pas comment. Je sais pas son titre. Au seigneur de la Lothlorienne. Votre quête ne tient malheureusement qu'à un fil. Écartez-vous-en à tant soit peu et ce sera l'échec, entraînant la ruine de tous. Hein ? Puissent ces capes vous protéger totalement des yeux hostiles. Et pour vous, Sam Gamgee, une corde elfique, faite en itlin. Merci, gentille dame. Je vous offre la lumière d'Elendil, notre étoile bien-aimée. Puisse cette lumière vous éclairer dans les endroits sombres, où toutes les autres lumières seront éteintes. Alors c'est vrai, mais je viens de me rendre compte, mais c'est vrai de Boromir. C'est quoi le cadeau de Gadriel pour Boromir? C'est... Je viens de me rendre compte, c'est... Ah, on est déjà arrivé à l'Argonath, ok. C'est vraiment petit. C'est... Ouais, ça... Faudrait vraiment que je me renseigne, mais il a reçu quoi, Boromir de Gadriel? Je me renseignerai pour voir, mais voilà, ça me paraît étrange quand même. Donc, on descend l'Anduin, voilà, on arrive à l'Argonath. Et du coup, on arrive à Parthengalen. Amon N pour les intimes. Est-ce qu'on saute? Bon, on attend que ce soit tout coloré, tout bien joli. Voilà, c'est tout bien présenté. Allez, on saute. Nous traverserons le lac à la tombée de la nuit. Nous cacherons les bateaux et continuerons à pied. Nous atteindrons le Mordor par le nord. Nous devrions partir maintenant. Non. Les orques patrouillent sur la rive est. Il vaut mieux attendre que l'obscurité nous cache. Où est Frodon ? Oh ! Hein ? Aucun de nous doit se promener seul. Vous, moins que les autres.
Je sais pourquoi vous recherchez la solitude. Il y a d'autres moyens, Frodon. D'autres chemins à emprunter. Je sais ce que vous allez dire. Et vous parlerez sagement, mais mon cœur me met en garde. En garde ? Je ne requiers que la force de défendre mon peuple. Si vous acceptiez de me prêter l'anneau. Non. Vous êtes fous ! Il devrait être à moi ! Donnez-le-moi ! Donc on va contrôler deux... Ouais. Alors... Du coup, c'est quoi le délire ? Va falloir que j'échappe à... Alors déjà, il va falloir que je ramasse ça. Voilà. Alors, on continue. Avance. Oh merde, il est là pour mire. Ah, je peux pas lancer. Faut que j'en... Ah, voilà. Frodon. Ah, on n'a pas les... On n'a rien de... Parce qu'il faut savoir, dans l'univers du Seigneur des Anneaux, enfin, dans du moins les films et les livres, il y a bien un truc qui m'a choqué, en fait, c'est vraiment la folie de Boromir. Ça m'a attristé, ça m'a traumatisé à vie, en fait, c'est que je m'attendais pas à voir un... Voilà, je m'attendais pas à voir Boromir devenir fou par l'anneau. Et du coup, ça m'a traumatisé, voilà, c'est un truc comme ça, et donc à chaque fois... Ah, je suis un peu... voilà, c'est... Ça me rend toujours un peu mal pour Boromir à chaque fois que j'ai un truc, que je fais un truc en rapport avec ça, avec cet événement. Ça, c'est... Alors, allez par là. Voilà. Ah, là, apparemment, on va faire tomber ça. Et juste là. Ah, on peut pas. Vous allez nous trahir. Hop, par là. Ensuite. Toc, 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 toc. On fait un escalier. Non, les pièces. Ah oui, on fait un escalier. Les pièces. Ah, les pièces. Beaucoup de pièces. Alors. On remonte. Donc le but du jeu, en fait, c'est pas se faire toucher par Boromir, c'est ça? Je vais par là, du coup. Alors je sais pas ce qu'il faut. Ah voilà, il y a une pierre. On va essayer de pas s'approcher de Boromir. Alors, on prend ça. On se recule un peu. Ah, y'a un truc qui allait. Ok, y'a un truc qui vient de tomber devant Boromir, mais c'est rien. C'est... Tout va bien. C'est un escalier, c'est ça? Ouais, c'est un escalier. Ah bah, voilà, y'avait un coffre là. Comme ça, c'est fait. Bon, le truc, c'est que je peux pas sauter en ayant l'anneau. Qui s'est barré. Alors est-ce que je peux rester dessus sans avoir peur? Voilà, on redescend quand même, on sait jamais. Puis il y a des pièces à ramasser. Donc... Toc. Hop là. Alors il est où Boromir? Il est là-bas. D'accord. Alors. Je suppose que si je fais ça, voilà, j'ai des trucs. Va falloir que... Ah, il faut un autre truc, ok. Alors je pense que ce sera ça. Voilà. Ah, il y a ça aussi. Et il y a ça. Ok, donc il y a tout ça. Et on va faire... Une catapulte. Ok, on fait une catapulte, au calme. Ok. Et du coup, on fait quoi là?
Ah voilà, ok. Ah oui. Ok. Frodon. C'est... Ouais, on... C'est vraiment là... Pousse à l'extrême là. Hop. Les fleurs. Alors là, voilà, Boromir il est là-bas. Hop, on ramasse les pipièces quand même. Hop là. Il y a une pierre qui est là. Non mais je voulais pas. Voilà, je voulais taper la fleur à la base. Non mais on peut pas taper la fleur. Hop là, la pierre. On la prend. Et faut viser. Merde. Ça là. Oh putain. On se rapproche un peu. Merde. Est-ce que c'est ça qu'il faut viser? Ok, c'était pas ça. Ça me donne juste de l'argent. Voilà, là on peut. Donc on continue notre délire d'avancer. Ok. Tranquillement, posément. En essayant de faire le moins de bruit possible. Les pièces, les pièces, les pièces. Où sont les pièces? Elles sont là. Elles sont toutes là. L'argent est là. L'argent des abonnés. Alors il y aura un truc là. Ah non mais si elle, à chaque fois elle tombe ça va pas aller. Et je peux pas sauter, c'est ça qui est chiant, c'est voilà, je suis obligé de rouler pour aller. Ça c'est voilà, la vitesse maximale. C'est ça. Alors on va essayer de faire gaffe quand même à pas rencontrer Boromir en chemin. Oh, il était là. Voilà ça. On fait tomber ça, je pense que ça va être pour un escalier. Ou alors une catapulte, une échelle, un escabeau. Une échelle. Voilà, on va faire tomber ça. Donc il est parti. Hop là, on continue. Je trouve ça... Ouais, alors non, c'est une question de goût, mais normalement, à ce stade-là, il est pas en train de... Normalement, Boromir n'est pas en train de... d'insulter Frodon de tous les noms. Il est en train plutôt de se rendre compte qu'il a fait quelque chose de mal et cherche à obtenir sa rédemption, mais voilà, c'est... Alors est-ce que... Voilà, je vais aller par là. Je trouve ça un peu dommage quand même, parce que moi j'attache vraiment de l'importance à cette scène. Parce qu'elle est vraiment... voilà, pour moi, elle est vraiment symbolique, elle est triste, dramatique, tout ce que vous voulez. Pour dire, il me semble que c'est la seule scène où j'ai vraiment versé ma larme. Hein, que ce soit dans les livres ou dans les films. Voilà, j'ai vraiment été traumatisé, comme je vous l'ai dit, par ça. C'est... Alors on fait tomber ça et on écrase Boromir. Ah c'était pas une blague. Frodon. Frodon. Frodon, pardonnez-moi. Ah bah voilà, c'est là il... Là il commence à... Voilà. Pardonnez-moi. Il s'est rendu compte que, ouais, c'est pas forcément bien ce qu'il a fait. Ah, et on peut sauter maintenant. Ça, c'est bien, ça. Et on peut courir, sprinter. Faire ce qu'on veut. Ramasser les pièces. Qui sont toujours en train de tomber avec les pentes. Avec la pente. Voilà. Alors, ça va être quoi le délire, là? Oh non. Bah, déjà, le délire, ça va être ramasser les pièces. Les pièces. Les pièces. Alors pour l'instant je sais pas ce qu'il faut faire avec Legolas et Aragorn. On verra ça. Ce sera
sera sûrement expliqué après. On défonce des cailloux à main nue. Parce qu'on est Frodon. On est le porteur de l'anneau, motherfucker. Hop. Le capitalisme. Voilà, là y'a rien à détruire. Donc on va au siège de la vue. Et on voit Barad. Dour. Ah merde! Non! Tu n'auras pas l'anneau! Et donc du coup, voilà, on se retrouve avec eux pendant ce temps-là. Ils viennent de se rendre compte que je suis pas là. Ah, est-ce que on va détruire les bateaux? Non, on les détruit pas, quand même. Alors. Ah mais du coup tout va à la flotte. Oh venez. Non, ils savent pas nager. Mais les cons. Bon, bah, c'est pas grave. T'avais qu'à apprendre à nager. Un rôdeur qui sait pas nager. MD lol. Alors on a que... Ouais, on a que les Aragorn, Gimli et Legolas. Vu que bah, Pipin et Sam sont... sont je ne sais où. Voilà, attendez, je vais ramasser ça. Voilà. Hop là. Est-ce qu'il y a moyen de... Oh merde, j'ai jeté ça, sans faire gaffe. Voilà. C'est vrai que c'est pas facile, quoique c'est aussi tranchant qu'une épée apparemment, un morceau de bois, donc on fait confiance, hein. Hop là. Hop là. Alors voilà, c'est ça qu'il va falloir. Alors du coup, on a un truc ici. La flamme olympique arrive. Voilà, donc du coup, on va libérer le passage. Non, les pièces. Ah, les pièces. Allez, allez, pièces. Ah, les pièces. Ah, les plein de pièces. Ah, les plein de pièces. Voilà. On a perdu une dans le tas, mais c'est pas grave. Non, revenez. Pièces, revenez. Pardonnez-moi. Voilà. Alors là, Legolas. Hop là, je sais pas, j'ai vu. J'ai vu. Aïe! J'ai vu, donc du coup, je suis passé. On va y aller doucement, tranquillement, posément. Voilà. On va détruire ce champignon. On va faire tomber les œufs du corbac. Voilà. Et avec les œufs, on va faire une omelette. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec un siège. Non, les pièces. Voilà. Ah, c'est un trampoline. Les œufs de la terre du milieu sont un peu je sais pas quoi, mais je sais pas ce qu'il y a dedans, mais alors oui, c'est vrai que Legolas c'est chiant. Quand il faut attaquer, parce qu'il switch entre ses lames et son arc, et c'est chiant ça. Sans qu'on lui demande en fait. C'est ça qui est vraiment plus chiant en fait. Ouais, justement on avait besoin de Gimli en plus, donc voilà. Je n'aurais fait de meilleurs choix. Ah les pièces. Les beaucoup de pièces. Ah bah tiens, il y a un roi là. Les rois de l'ancien temps, les anciens Numénoriens. La richesse de ce peuple m'attire. Hop là, les pièces qui descendent, le dénivelé est important, comme vous l'avez pu le remarquer. Alors, oula. Déjà là, il y a du truc. Donc déjà,
Va falloir qu'on le porte. Qu'on te lance là-haut. Hop là. Ah bah justement, les golas vont nous être utiles. Alors... Il n'y en a pas que les golas. Hop. Hop, 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 hop. L'argent qui se barre dans la forêt. Youpi. C'était là, ça? C'était là, avant? J'ai un doute. Alors, je ne sais pas à quoi ça va servir. Bon, déjà, Legolas, on a besoin de toi. Là-haut. Hop là. Ok, il s'est arrêté en plein milieu. Il s'est dit j'en ai marre. J'arrête, cette compagnie, c'est vraiment de la merde. Ah, alors là il y a un truc par contre. Si j'arrive pas à l'avoir, ce serait quand même bah, ah d'accord, à chaque fois je fonce dans la statue. Ok, faut un peu que je me décale. Voilà. Attendez, je vais essayer. Je ne sais plus comment on fait, voilà, pour se retourner. Histoire d'avoir ça. Maintenant que je sais comment ça fonctionne. Toc, toc. Hop là. Hop là, hop là. Je sais pas si on peut casser. Non, on peut pas casser ça. On n'a pas l'arme pour. Alors ensuite, bah du coup, on va appeler machin. Okay. Ah d'accord, il est tombé. Comme un gros débile. Bon, bah du coup, on recommence. Attendez, est-ce que par hasard. Legolas ne pourrait pas monter par là. Haha, MDR. Bon, du coup on recommence. Toc, toc. Voilà, maintenant, faut pas qu'il bouge. Voilà, on va switcher entre... Voilà. Putain, ça va être chiant. Ça va être très très chiant. Ouh. Pas trop vite. Ah, il y a un coffre qui est là-bas. Est-ce qu'on tente? On tente! Voilà, et maintenant on va essayer d'être plus malin que le jeu. Le jeu nous a cassé. Ok, d'accord. Ah, ça va être très très chiant. Alors, on y recommence. Oui, Legolas peut pas non plus réussir tout en une seule fois. Hein. Ce n'est qu'un elfe après tout. Qu'est-ce que je disais? Aïe, 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 aïe. Hop, hop. Hop là. Bien. Ensuite, Gimli. Alors, il ne faut pas qu'il tombe. C'est chiant, pourquoi il peut pas suivre le mouvement de ce Legolas? Hop. Oh, c'est limite. À chaque fois, c'est limite. On va se replacer un peu mieux. Dans ce temps, Aragorn fait des... Non! Non, 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 non. On va... Non! 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 Mais salaud d'elfe! Ça, on y était presque. Mais attendez. Mais qu'est-ce que je suis con? Mais qu'est-ce que je suis con? Qu'est-ce que je suis con? On a dégagé le truc. Qu'est-ce que je suis con? Seigneur, qu'est-ce que je suis con? Oh là là, putain. Oh là 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 là, y a pas plus débile que moi. Ok, bon, on y va. Y a pas plus débile. Y a vraiment pas plus débile. Du coup, tout l'argent se fait la malle. Merde, j'ai reculé le pilier sans faire gaffe. Ce n'est point grave. Je veux cette pièce.
Ah, c'est pas mal ça. Voilà, on va faire comme ça maintenant. Comme ça, on les a directement. Hop là. Non, l'argent. Voilà. C'est une très mauvaise idée de faire ça. Alors, est-ce qu'on peut casser ça? Non, on peut pas. Alors, maintenant. Donc on a trouvé la solution. Il va falloir relancer Gimli. On va avoir besoin de Legolas. Non, non, de Legolas, voilà, c'est ça. Alors, ensuite. Toc. Je suppose que c'est... Oh là là, qu'est-ce que je suis bon. Est-ce qu'on... Hop. Et voilà, niveau aventurier, ça c'est fait. Alors, va falloir aller faire mon... Ah, c'est Frodon. C'est l'épée de Frodon. Attendez, ramasse l'argent en attendant. Ouais, en fait non, ça va être chiant avec les Legolas. Quoique maintenant c'est... Ah, c'est vraiment très très chiant avec les Legolas. Bon, on appelle des renforts. Legolas, c'est vraiment un bouvre. Toc. Voilà. Alors. Déjà, il y a le roi. Amour à la monarchie. Dans un monde où... où les rois, c'est quelque chose de normal. Ok, donc là, à mon avis, il va y avoir des trucs. Alors, on va utiliser Aragorn. Alors. Il y a de l'eau par là. Alors, faut que j'aille par là. Par là. Par là. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Frodon? L'anneau, où est-il? Il s'est emparé de Boromir. Vous le détruiriez? Jusqu'au bout, j'aurais été de votre côté. Allez, Frodon. Courez! Ok, les Uruk-hai. Alors, du coup... Ah d'accord, le one-shot. Le one-shot gratuit d'Uruk-hai. Ah non, je voulais sauvegarder à la base. Voilà, on sauvegarde. Regardez, il fuit. Les Uruk-hai sont des lâches. Faut changer. Rapproche-toi. Voilà. Hop, hop. Ensuite, y'a quoi? Voilà. Et de 1, et de 2, et de 3. Ah, y'a un bouclier. Ah, c'est des Uruk-hai avec des boucliers en fait. Ah oui, là par contre ils sont violents. Je n'ai plus qu'un cœur. Oh, un cœur là-bas. Vite. Il est là. Ouf. Ensuite. Ah mais attendez, on a une truelle il me semble. Non oui mais on a la truelle. Ah non, on n'a pas la truelle. Ok, d'accord. Gimli. Ah, il nous balance des cailloux. Il nous balance vraiment des cailloux? Ou alors c'est Pipin et Mireille qui sont dans le coin et... Ah non, il nous balance des cailloux. Alors...
Est-ce qu'on peut essayer d'aller chercher? Ah bah non, faut la plante de Sam Sagas. Ok, faut la pelle de Sam Sagas plutôt. Ça c'est fait. Ensuite, ah bah c'est un chemin qu'il faut prendre par là. Ah non, c'est pas par là. C'est par où? Jack, c'est par où? Voilà, attends, du coup. Voilà. Le corps du Condor. Boromir. Très bien, alors on aura affaire aux Zouk avec Boromir. Alors faut tuer l'ours. Déjà, on va voir à quoi ressemble l'arène. Déjà, on peut sauvegarder, c'est sympa. Alors, il va falloir utiliser un des hobbits. Aïe, ah, quel enfoiré! Le cœur là-bas. Hop, il rentre là-dedans. Je sais pas où il va. Ouais, il va là. Ok. D'accord, bon, alors ça va être de plus en plus compliqué. Hop, hop. Alors attendez, parce que j'ai vu qu'il y avait un plan, du coup. Est-ce que je peux le prendre directement comme ça, sans faire... Voilà, je l'ai eu. Du coup, ah, j'ai même retiré un cœur à... En train de parodier mon moment de faiblesse. Putain. Ah les enfoirés. Ah merde, je viens de tuer Boromir. Alors, là, on va faire des trucs. Ah c'est une... Ok, j'ai compris. Ah la dernier cœur, l'ours est vaincu. Mais bon, on y est également. À la référence au Chiot. Ah oui. Ah quand même. Alors du coup, là, il va falloir faire comment? Ah, il envoie des boucliers. Ok. Rien que ça. Ah mais d'accord, il envoie des boucliers mais... Il envoie son bouclier, mais voilà, c'est compliqué. Oh non, Boromir avec une banane, non, ma marque, qu'elle nous fait. Hop, il balance son... Ah, mais il balance des épées maintenant. Attends, mais c'est bon, viens, l'ours. Voilà, il va venir. Ah non, il va balancer son bouclier. Du coup, il va le chercher. Allez, pas content, hein. Allez, on continue le massacre. Bonne uniforme. Oh, désolé Boromir, mais là, je peux rien faire pour toi. Alors Boromir, là... Ah oui, il a plus qu'un cœur, Boromir.
Eh ben, en même temps, il est blessé. Ah d'accord, là, il a arrêté de chercher son bouclier. What? Non mais... Mais... Lâche. Ils ont enlevé les petits. Restez tranquille. Frodon, l'anneau, j'ai essayé de le lui prendre. Sachez qu'à présent, l'anneau est hors d'atteinte. J'ignore quelles sont les forces qui me restent. Mais je vous jure que jamais je ne laisserai prendre la Cité Blanche. Ni notre peuple échoué. Notre peuple... Non. Je vous aurais suivi, mon frère. Mon capitaine. Mon roi. Non mais même ça, il faut dire non mais... Sam. En route. Et c'est ainsi que s'achève Amon N, voilà, c'est ça, j'ai cherché le mot. On s'en fiche des personnages à acheter, on s'en fiche de chat, hein. On avance bien dans le pognon, on a récupéré deux trésors. Alors pour fond de forgeron, on a eu la corde en mithril, c'est génial. Eh bien messieurs, c'était Amon N, n'hésitez pas à l'aimer si ça vous a plu, à partager, faites ce que vous voulez comme la vidéo. On se retrouve pour un prochain épisode, bien évidemment, hein. Qui va normalement ouvrir les deux tours si je ne me trompe pas, hein. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et moi je vous dis à qui, au revoir tout le monde.